visiter Shanghai, se balader sur le Bund, s'asseoir face au tour de Pudong, regarder passer sur le fleuve Huangpu les bateaux chargés de marchandises, les taux caractéristiques que la Jimmao Tower, qui se mirent dans le fleuve tourbillonnant, me ramènent à Shanghai, le Paris de l'Orient, le Brooklyn de l'Empire céleste. Depuis 1990, tout s'est accéléré. Plus de 3000 tours et gratte-ciel ont jailli de terre à vitesse grand V, et 2000 autres sont en projet. C'est le plus grand chantier du monde, l'équivalent de 7 quartiers de la Défense à Paris. La race des jaunes s'est coiffée de casques jaunes et oranges. Les constructions sont continuelles. Le Bund est un long boulevard qui court sur la rive gauche du fleuve Huangpu. Il égrène les plus belles façades de Shanghai des années folles, qui évoquent plus les façades de Marseille, Liverpool, Brooklyn ou Chicago des années 30 que celles de la Chine impériale. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. Après avoir flâné dans la rue de Nankin, bordée de prestigieux magasins de luxe, on y trouve d'ailleurs plus de 1200 marques, on va se diriger vers la place du peuple. Ici, les parents y affichent le CV et la photo de leurs enfants. Tout y est inscrit, études, loisirs, niveau social, les revenus, l'âge. La numérologie est importante. Sur la place du peuple, face à l'opéra, le musée de Chine, l'un des trois plus beaux musées de Chine. Les dernières recherches scientifiques prouveraient que les Chinois furent les premiers à connaître la bonne formule permettant d'obtenir du beau et vrai bronze. Dans la galerie des céramiques, plus de 500 pièces du néolithique à la dynastie des Qing. Ne dit-on pas que la poterie appartient à l'humanité entière, mais la porcelaine est une invention de la Chine. Un petit paradis à Suzhou, près de Shanghai, le jardin du modeste administrateur. Je vais donner 5 euros, 10 euros, 5 euros, 10 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 euros,